ça m'est parvenu. Thank you.
Bah après, ça dépend. Okay.
de relier la ville littérale du château situé 40 mètres plus loin. Thank you.
le roi Louis-Philippe, dernier roi qu'on a eu, s'est retrouvé par héritage propriétaire du château. Bon. C'était le château de ses lointains ancêtres, mais je ne vais pas vous faire l'arbre généalogique. Vous chercherez. Hein? Charles VIII, Louis-Philippe, on y arrive. Il n'avait pas l'intention d'habiter ici. Mais il venait de prendre conscience, comme quelques hommes à l'époque, qu'il fallait arrêter justement de démolir ces monuments anciens. Il fallait penser à sauver le patrimoine. Patrimoine. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Mais dans les années 1830, le château d'Amboise appartient à cette fondation. Depuis. Donc ça reste un château privé. Et parmi les bâtiments disparus, je vous disais ceux du temps des... du château. Mais maintenant qu'on a basculé du côté des appartements privés de François, on n'a plus de trône. Le trône, ce n'est plus un siège, c'est un lit. Vous êtes du côté privé. Donc vous, dès que vous marquez la frontière entre sphère Francisco.
peu à Mylène. Non, j'ai les rejetés par le politique. Thank you.
Ah bah ça. Voilà, voilà. Viens, viens, viens.
which is now down to about 90 acres. Thank you.
non. Allora, noi andiamo a fare. Sempre dritti, non c'era scritto. Può farsi comandare la de dépasser.